Fruit snacks and cups of Patron. Parties on buses with us. Me and my bros on a mission to leave with your riches, your bitches. Yo les puceaux, ça va, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre et dans la miniature, sur Warframe, donc après la mise à jour, le bosquet d'argent. Donc pour pas que vous soyez spoilés ou quoi, je vous invite à quitter la vidéo si j'avais finir la quête et revenir ensuite pour cette petite astuce. Bah écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc comme vous pouvez le constater, enfin comme vous pouvez le savoir plutôt, si vous avez fini votre quête, sur le bosquet d'argent. En fait, à chaque fois que qu'on récupère une partie pour Titania, on a droit à une confrontation avec trois nouveaux spectres. Donc trois spectres pour chaque partie en fait. Donc il faut les buter bien évidemment. Et ce que les développeurs nous cachaient, c'est que en fait ces spectres, ils peuvent nous lâcher des auras. Donc il y a plusieurs choses, hein. Enfin, je veux dire, chaque spectre, donc il y a trois spectres, lâche trois modes rares en fait, je crois. Donc vous allez voir dans cette vidéo que je vais en récupérer un qui est pas forcément super super, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Donc je tiens à remercier un copain qui m'a aidé pour découvrir ceci. Donc c'est trois petites dédicaces à toi bien évidemment. En fait c'est très simple. Donc il va falloir tout simplement joindre dans le sanctuaire. Donc comment trouver le sanctuaire, c'est très simple. Il va falloir lancer la mission E-Prime. Que ce soit la nuit ou le jour, il me semble que ça ne change absolument rien. Cette petite partie de map, on pourra la retrouver aléatoirement dans la map justement E-Prime. Qui est elle aussi forgée aléatoirement. Enfin de toute manière, toutes les maps sont faites aléatoirement. Donc il va falloir fouiller les quatre coins de la map pour trouver cette partie de map justement. Une fois que vous avez trouvé le sanctuaire, il va falloir aller tout simplement joindre l'apothique. Donc n'importe lequel, hein. De toute manière il y a plusieurs modes pour plusieurs spectres. Bien évidemment il va falloir équiper l'apothique dans les consommables, sinon ça ne marchera pas. Et ensuite bah, vous n'aurez plus qu'à buter en fait le spectre tout simplement. Donc là en l'occurrence j'ai fait le plus simple, enfin, pour moi hein, personnellement c'était le plus simple. C'était le spectre de Valet. Donc comme vous voyez voilà, hop, pistolet amplifié, aura. Donc on a vu le mode qui a été rouge hein, comme l'événement pour ceux qui ont participé aux acolytes du stalker, donc le tracker. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à la partager si ça vous enjaille. Et moi je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Electro, ciao tout le monde.